Allez, il faut oublier ce premier match raté, repartir avec d'autres intentions dès maintenant. Ah oui, hein, perdre un match, ça arrive. C'est quand les défaites commencent à s'enchaîner qu'il faut s'inquiéter. À lui de jouer maintenant. Ok. Et le centre. Il marque de la tête. Il faut plus tout le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Ouais, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est bien donné ça. Voilà la frappe. Oh, superbe frappe en finesse, le gardien qui est battu. Admirer une fois de plus tout le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Ouais, c'est parfait, il y a rien. Il place une tête imparable. Et le gardien qui s'incline à nouveau. Un match assez médiocre pour lui, j'ai même l'impression que ça ne s'arrange pas. Et le tir, allez, un but de retard en moins, c'est toujours ça. Bonjour, bienvenue sur notre antenne, je suis avec Franck Sauzet. Bonjour Franck. Bonjour Hervé, bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment un plaisir d'être ici. On va pas plus loin. Une frappe, oh ça va être dedans. Admirer une fois de plus tout le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Ouais, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est propre ça. Ouais, je le tire. Oui, il a mis son corps en opposition, ça c'est bien joué. Peut-être le but. Un superbe frappe en finesse, le gardien qui est battu. Quel sang-froid de la part du buteur sur cette action. Qu'est-ce que c'est bien joué, finement joué. Exactement. Oh, quelle occasion. Eh oui, c'est dedans. Ah, il est dans une mauvaise passe. Hein. Le gardien, là, ça continue. Ah, vous avez raison, mais ça fait plusieurs petites erreurs tout de même là, qui s'accumulent. L'addition commence à être lourde. Et le ballon qui arrive dans la surface. Il met la tête. Une superbe tête qui ne laisse aucune chance au gardien. On peut admirer une fois de plus tout le sang-froid et la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. C'est parfait. Regarde. Qui font profil bas. Je vous disais bien que l'ambiance était retombée un peu. Le moral est touché, c'est sûr. L'occasion peut. Il travaille bien sur le ballon et il marque en finesse. Alors on voit cette frappe tout en finesse, au ralenti, c'est vraiment une superbe conclusion. On voit ça. Bon début de saison hein, pour cette équipe, Franck. Ouais, bon début de saison en effet. Tout lui a encore permis, même de jouer le titre. On verra si on peut tenir le même discours hein, dans quelques journées. Jones. Oh oui, ça rentre! On peut admirer une fois de plus tout le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Ouais, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Et encore une passe. Ouais, je le tire. Oh, notre but, quasiment coup sur coup. Admirer une fois de plus tout le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Ouais, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent. Bonjour, ici Hervé Matou. Je suis bien évidemment avec mon acolyte Franck Sauzet pour vous commenter cette rencontre. Ouais, bonjour Hervé, merci pour cette présentation. Ah,
Et l'arbitre, physionomie de cette seconde période, Hervé. Et il transforme son pénalty. Et bonne course d'élan du tireur qui trompe le gardien. King. Et la voilà la frappe. Ouais, il y est. Et un nouveau but à mettre à l'heure actif. Et c'est sous la barre, c'est imparable, mon cher Hervé. Très bonne entente pour ce groupe qui peut nourrir vraiment quelques belles ambitions. Il prend le temps de centrer. Oh, le tir! Oh, le gardien qui est battu! Le joueur a bien fait circuler le ballon avant de couper l'action. C'est-à-dire que le centre est parfait, c'est ça qui a fait toute la différence.